Amis du web, bonjour, c'est Betavox et bienvenue sur ce 102e épisode de mon let's play sur The Binding of Isaac Rebirth. Winstreak moins 8, voilà. Bah oui, la dernière vidéo c'était The Lost, hein. The Lost, c'est The Lost. Tiens, on va prendre Blue Baby, on va tenter le boss rush et on va aller voir Satan après. Voilà, ça me plaît bien comme idée. Au moins j'ai des PV. Là, clairement, j'aurais été avec The Lost, je serais mort. Si, si, parce que The Lost, ils le font exprès, ils te mettent des coups en plus, pas possible autrement. Pas mauvais à ce point quand même. Allez, dégage. Voilà. Toi aussi. Toi aussi, on a dit. Moi tranquille. Qu'avons-nous? Ah oui, non, mais avec Blue Baby, je vole pas, par contre, ça fait chier. Oula! Oulala! On voit bien dans le meilleur des mondes! Elle meurt! Voilà, merci. Ah, je sais pas comment j'ai fait pour pas prendre de coups, je vous l'avoue. Allez, meurs, toi, là! Arrêtez de me cracher dessus, là! Sérieux! Hop là! Ouais, toi aussi, meurs, voilà, et bien. Vous voyez? Là, j'aurais joué The Lost, j'aurais pris un coup. Mais pas avec Blue Baby. Ce jeu m'en veut, en fait, ce jeu ne m'aime pas. Il y a un truc spécial qui est programmé qui dit, quand t'as Blue Baby, t'as une hitbox qui est plus grosse. J'ai pas eu mon item, alors bon, d'accord, on est pété, mais faut pas exagérer quand même. Oh super, plus qui est, en fait, je sais même pas quel péché capital c'est censé représenter, et ça vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Non mais tais-toi, laissez-moi tranquille. Ajouter Poison Touch, je pense, sur lui, non? Ouais, si, je pense. Ça, c'est bien. Dès qu'on aura eu l'item, on pourra aller au boss sans perdre de temps. Ah, bah oui. Oui, oui, on a chopé quelque chose, effectivement. Quand je vous dis que ce jeu ne vous aime pas... Ça c'est un étage XL, pas possible autrement. Voilà, là normalement je suis mort. Tout va bien. Bon, celle-là elle avait pris des... Elle avait pris un excitant, je crois, parce que, vu toute la distance qu'elle a parcourue. Oh là 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 là. Ah, c'est même... Putain, c'est même pas un XL. Pas possible, quoi. Vous avez vu la taille qui fait, bordel. J'ai un peu perdu en fait. Ah non, c'est bon. Je viens de me déperdre.
minutes le premier étage. Ouais, bah je pense qu'on peut oublier le boss rush là. Hein. Clairement. Oh, chouette. Mon rêve. Voilà, impeccable. Ouais, 6 minutes le premier niveau. Ça sent pas très très bon cette affaire. Aïe. Laissez-moi. Ah oui, pas de bombe. Ballot cette affaire. Hop. Ouais, j'ai pas de clé non plus. Enfin si. Mais j'ai pas de bombe. On va chercher les clés. Non mais oh sérieux quoi, arrête-toi, putain. Oh là là, bestiole de merde. Mais quand même. Tac, enchaîne. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais non. Ouais, ben non. Hop, hop. Sera. Hop là. Tac. Il n'y a pas de problème. Ouais, non, il n'y en a pas. Aucun. Bonjour. Ah, ça fait cool, tiens. Hop. Ah, on peut y aller. Ah bah écoutez, tentons-le. J'aurais jamais dû. Aïe. Autant se le dire, le boss rush, je pense qu'on peut l'oublier. À part qu'il fasse un miracle sur les prochains étages, mais là. Là, j'ai mis beaucoup trop de temps dans cette jeu. Les mini gurplingues, bah oui. Jamais, vous moquez pas de moi, j'étais pas dessus, c'est dégueulasse. Dégage.
Ouais, bah... Oh, je connais pas cet item. On peut pas le prendre, donc on s'en fout. Et on enchaîne. Plus vite, plus vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On voudrait bien voler. Passé suffisamment de fois sur la tronche, mais en fait non. Ouais, si on achète un PV quand même, hein, on n'est pas fou. Ah bon? Ah bon, d'accord. Comme ça, on n'a pas peur. On passe à l'étage d'après avec un demi PV. On s'en fout. On a joué avec The Lost, on sait que ça peut le faire.
Allez, viens. Donne. Non, pas de suite. Tiens, va chercher. Voilà, vous voyez. On a commencé avec un demi-PV, mais on s'en sort bien. On s'en sort pas si mal. Ouais, je l'ai chopé perso parce que je trouve que c'est un peu Dark Bum pour moi, il est fait. Au moins tous les PV qui tomberont nous serviront. Open all door. No need. Allez, on enchaîne. Oh pardon. Excusez-moi messieurs. Je ne voulais pas vous vexer. Bon ben ça je vole pas hein, ça a pas changé. Non ça ça se fait pas Dark Bum. Quoi ces manières? Je bouffe pas des cœurs pour me tuer une araignée. Ah oui c'est vrai. Tiens tiens tiens. Hop là. Tiens et tiens. Oui, j'ai eu un peu peur. En fait, j'avais largement le temps encore. Non, ouais, je suis, attends. Tiens. Tiens, mon pépère. Non, pas de cœur, tant pis. J'en faites pas, on en a 17 minutes de vidéo. Il nous reste 3 ou 4 étages avant le boss, enfin avant mom. Bon, je pense qu'on peut décemment considérer que le boss rush ça sera pas pour aujourd'hui. Ah ouais, chouette, un boss double. Ah ça c'était bien. Cool. Et on enchaîne. On n'a pas le temps. C'est pas mom cela, non, c'est l'étage d'avant. Ouais, voilà. Ouais, donc, l'étage d'avant plus l'étage d'après plus le combat contre mom. Bon. Le boss rush, ça sera pour une prochaine fois. Par contre, rappelez-moi au moment du choix contre le pied de choisir le chemin vers Satan. Hein. Le négatif, sinon je vais avoir des ennuis. Aïe, tout est con. Wow. Avec joie, mais il me manque un item. Oh merde! Voilà, ouais, c'est super, ça me fait mieux. Maintenant, je me jette même sur les ennemis.
On sent qu'on se traîne quand même un peu. Hein. Allez, waouh! Oh putain, ok. Le mec, il perd pas de temps. Allez, la salle de l'item, elle est en bas. Ah, peut-être pas. Bon, j'ai 2 PV, hein, on le sait. Même pas peur. Pas eu beaucoup de PV pour le coup, hein, sur bah, depuis que j'ai chopé Dark Bomb. Pourquoi je me mets pas en mode roaming speed? Hop là, un PV et demi. Tout va bien. Oui, ce boss a beaucoup trop de PV. Oui, oui, oui. Demi PV, tout va bien aller. Ah, normalement, je suis à un PV et demi. Ok, normalement, maintenant bon. Déjà des seuils comme ça, enfin c'est... Oh putain. Ok. Déjà ces ennemis là, mais attendez, j'ai exagéré là quand même. Oui, ta gueule toi. Ah non, je passe pas le feu comme ça, c'est dommage. Non. Tac. Y'a pas de problème. Aïe. Ah bah oui, mais si tu te jettes dessus en même temps, t'étonnes pas que tu crevais. Débile. Cool. Je
je me trompe pas, je suis à 2 PV et demi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu les manges toi les cartes. Wow, bah il est en haut, c'est jamais. Ah cool. C'est de chocolat ça. Ouais, j'en veux pas. Il sait bien ce que je crois, c'est naze. Ouais, donc le boss, on sait toujours pas. Merde. C'est con, tu viens de m'arriver. Allez, c'est pas grave. Ok, allez on y va. Ah, oh, c'est Mame Rouge. Mame Rouge, c'est celle qui tombe tout le temps, non? Hop là, allez viens. Il manque un peu d'efficacité ce truc-là. Oh la sale bête. La vilaine petite chou. Ouais, tout l'intérêt de la bombe. Jusque là j'avais réussi à même pas prendre de coups. Allez Dan. Encore? Non, un seul. Putain. Rapia. Bon alors combien? 2 PV et demi? 2 PV? 1 PV et demi. On était tellement loin. Au secours! Et toi de me... Bah voilà, super quoi, tu me rends invulnérable au moment où je prends un coup, sérieux. Si on se moque. Calme-toi. Wombixel. Ah ouais, d'accord. Bien, il me reste un PV, on est large encore.
Cool. On revit. Dépêchez-vous. Rendez-moi vénère, dépêchez-vous. Oh et merde. Ouais, allez. Voilà. Game over. Ah, j'étais pas en forme. De toute façon, ça se sentait que ça allait pas le faire. Bon, ben les gens, je vous remercie d'avoir regardé cette honte. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Hein. Allez, ciao, bye bye.